You know, we have to listen to the word, to the word of Elohim, but we need also wisdom. Tu peux traduire. Nous devons écouter la parole du Seigneur, mais nous avons aussi il faut aussi avoir de la sagesse. We're still living in this world. Nous vivons toujours dans ce monde. We are not from this world. Nous ne sommes pas de ce monde. But we are still living in this world. Mais nous sommes toujours dans ce monde. Even though the Jesus is coming. Même si Yeshua est en train de venir. Even if tomorrow it is, we will say, okay, Jesus is coming tomorrow. Même si on nous dit bon, Yeshua va venir demain. That doesn't mean. Ça ne veut pas dire. That you have to stop working. Que tu dois arrêter de travailler. That doesn't mean. Ça ne veut pas dire. That you have to stop providing to your family. Que tu dois arrêter de pourvoir à ta famille. That doesn't mean. Ça ne veut pas dire. That you are not going to school anymore. Que ça ne veut pas dire que tu dois aller, tu dois plus aller à l'école. I remember. Je me rappelle. When we heard that message. Quand nous avons premièrement entendu ce message pour la première of fois. Of coming back to the word. Ce message du retour de la parole. To go out from the Babylonian systems. Qui nous disait de sortir du système babylonien. That among us. Donc parmi nous. Some young people. Il y avait des jeunes gens. They were saying, "Okay, Christ is coming tomorrow or today." Oh, Yeshua vient demain ou aujourd'hui. So I will not go to school anymore. Et il disait bon ben moi je vais plus aller à l'école alors. Because Jesus is coming. Parce que Yeshua il est en train de venir. No. Non. We don't have to do that. Non, c'est pas ça qu'on doit faire. We have to be prepared for the coming of the Lord. Ce que nous devons faire, c'est d'être préparés pour la venue du Seigneur. But that doesn't mean that we are not preparing ourselves to have to work, to go to school, to have an education. We must do our daily task as we were doing them when we were pagans. Donc, on doit faire les tâches que nous faisions ou quand on avait un travail ou on allait à l'école, ben on continue comme d'habitude. We have to be careful. Nous devons faire très attention. Then to become the most spirituals. Il faut faire attention de ne pas devenir des TTS, des trop spirituels. So everything is spiritual. Donc tout est spirituel. Everything is in the word. Donc tout ce qui est dans le monde. So I stopped doing worldly things. Donc j'arrête de faire toutes les choses. Enfin, j'arrête d'être vraiment dans le monde. Yes. Okay, we have to be careful with the world. Oui, nous devons faire attention au monde. But we have also. Mais nous devons aussi. We have to work. On doit continuer à travailler. We have to go to school if we are in age to go to school. On doit aller à l'école si on a l'âge d'aller à l'école. We have to provide for our families. Nous devons pourvoir à nos familles. We have to be a good manager of the money that we have, that we receive. On doit être des bons dispensateurs de l'argent que nous avons reçu. On doit bien partager ça. Because, for example, par exemple, if I receive my salary, si je reçois mon salaire, I know that everything is for the Lord. Moi, je sais que tout est pour le Seigneur. I know that this money is from Caesar's. Je sais que c'est de César. C'est de César. Okay, but I live in this world. Mais je vis dans ce monde. I need that money. Et j'ai besoin de cet argent. To first of all pay the rent. Premièrement pour payer ma location. Second of all. Pay the bills. Deuxièmement, pour payer comment on appelle ça? The bills, les factures. Les factures. First, to pay the food. Ensuite, pour payer la nourriture. And all the things that is needed in the house. Et toutes les choses qui sont dans la famille, dans la maison. The rest of it, if there is something that is left. In the salary, ce qui va rester par rapport à mon salaire après que j'ai tout retiré, then I can at that time say, okay, I'm gonna help
I can help someone, or I can help someone in the church that is in need, or I can put aside for a charity. Donc, quand je me suis vraiment débarrassé de tout ce que je pouvais faire pour payer pour la famille, etc., etc., ensuite, je veux m'occuper de donner l'argent pour les des œuvres caritatives, or my family, pour ma famille, pour des nécessiteux. Okay, we have to be good managers. On doit bien dispenser, d'être de bons dispensateurs de notre argent. We have to be good managers of the worldly, of the physical things that Jesus gave us. Donc on doit vraiment être des bons dispensateurs de ce que Dieu nous a donné comme physically. Donc physiquement. And spiritually. Et de façon aussi spirituelle. We are still living in this world. Nous sommes encore dans ce monde. As we are living in this world. Comme nous vivons dans ce monde. We have to give Caesar what Caesar's. And we have to give Elohim what's Elohim's. Oui, nous devons donner ce qui a César à César et puis ce qui appartient à Elohim à Elohim. But that verse, mais ce verset-là, is in a context. Il faut vraiment le prendre dans son contexte. If you take a verse and you do a doctrine with only a verse, si tu prends un verset que tu le prends hors contexte et que tu en fais une doctrine, then you will be doing things without considering the rest of the word. Donc là tu vas faire des choses mais tu vas plus considérer le reste de la parole. The Bible says that who doesn't work doesn't eat. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. So you see, donc vous voyez, the Lord is not against work. Donc vous voyez que le Seigneur n'est pas contre le travail. Before his coming, donc avant qu'il ne vienne, we are still going to work. On va continuer à travailler. We are still going to study. On va continuer à étudier. You see? Vous voyez? It's not because we are sensing that the Lord is coming really soon that we have to stop everything. Ce n'est pas parce que nous sentons que le Seigneur va revenir bientôt qu'on doit tout arrêter brutalement. Alléluia. Alléluia. Amen. We have to be wise. On doit être sage. And among us, et parmi nous, there are young people, il y a des enfants dans la foi, babies in faith, donc des bébés spirituels, and they are young, we're going to take a passage. On va prendre des passages là qui parlent de ça. 1 John. Donc dans 1 Jean. Jean 2, verset 12. L'épître de Jean, hein? 1 Jean 2, verset 12. I write to you, little children. Petits enfants, je vous écris. Because your sins are forgiven. Parce que vos péchés vous sont remis à cause de. Are forgiven you for his name's sake. Parce que vos péchés nous sont remis à cause de son nom. I write to you, fathers. Père, je vous écris. Because you have known him who is from the beginning. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. I write to you, young man. Jeune, je vous écris. Because you have overcome the wicked one. I write the wicked one. Parce que vous avez excuse-moi. Parce que vous avez remporté la victoire sur le mauvais. I write to you, little children. Jeunes enfants, je vous écris. Because you have known the Father. Parce que vous avez connu le Père. I have written to you, fathers. Père, je vous ai écrit. Because you have known him who is from the beginning. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. I have written to you, young man. Jeune, je vous ai écrit. Because you are strong. Parce que vous êtes fort. And the word of Elohim abides in you. Et que la parole d'Elohim demeure en vous. And you have overcome the wicked one. Et que vous avez remporté la victoire sur l'esprit. Hallelujah. Du mauvais. So, you see here. Donc vous voyez ici that we have three
stages. Three stages of growing. We have to grow from one stage to another, and from another, from this one to the third one. Donc on doit grandir d'une étape à une autre. Hallelujah. Okay. How do Elohim does his training with us? Comment Elohim fait sa formation avec nous? How does Elohim train us? Comment Elohim nous forme? This is really important. C'est très important. We must be prepared to be trained by him. And you must not be fooled by the grace that you have. It's not because you preach that you are already a father. Que tu es déjà un père. It's not because you see dreams. Ce n'est pas parce que tu vois des rêves. That you are already a father. Que tu es déjà un père. It's not because the Lord speaks to you. Ce n'est pas parce que le Seigneur te parle. That you are already a father. Que tu es déjà un père. Hallelujah. Alléluia. Amen. We need to go through those stages. Nous devons passer à travers ces étapes. And it takes time. Et ça prend du temps. It takes time. Ça prend du temps. Hallelujah. Hallelujah. I cannot ask. Je ne peux pas demander. Je ne peux pas demander. I cannot ask. Je ne peux pas demander. The same level. Le même niveau. To Michael, for example. Par exemple, à Michael. Or to Benaiah. Benaiah, it's just an example. C'est juste un exemple. Michael has just come to the Lord. Michael vient à peine de venir vers le Seigneur. So it's normal. Donc c'est normal. That he is growing. Qu'il est en train de grandir. And it is at the third stage. Et il est au premier niveau. But if I take Ben, for example, mais si je prends Ben, par exemple, Benaiah, or even Angela or Antonio, ou bien Angela et Antonio, they are in the word for some years now. Ils sont dans la parole depuis des années. So I cannot ask the same level of holiness. Donc je ne peux pas leur demander le même niveau de sainteté ou de consécration. Then to Michael. Que à Michael. Because Michael has to learn more. Parce que Michael doit apprendre plus. Let's take an example like in our families. Prenons un exemple dans nos familles. In a family, there are fathers and mothers. Dans les familles, il y a les pères et les mères. Then you can have a teenager. Après, tu peux avoir les adolescents. The young. Les jeunes. And then there are babies. Ensuite, il y a des bébés. So in a family, you cannot ask for a baby to have the same wisdom than a young than a teenager. Tu peux pas avoir lui demander d'avoir la même sagesse qu'un adolescent, un bébé. Hallelujah. Hallelujah. So. Ainsi. How do Elohim train his disciples? Comment Elohim entraîne, fait la formation de ses disciples? If we take a look, si nous regardons, in the old covenant, dans l'ancien alliance, you will see how the Lord was training his prophets. Tu verras comment le Seigneur est en train de former ses prophètes. Let's take a look, for example, at Moses. Regardons par exemple à Moïse. Hallelujah. Alléluia. We are at
Genesis. Donc on est dans le livre de Genèse. Exodus. Exodus. Donc on est dans les livres d'Exode, pardon. Exode. Exodus 20. Exode 20. Non, it's not 20. Okay. Okay. So, so it's Moses went to the mountain. Moses went to the mountain, okay? Donc c'est le passage où Moïse va. And we are in Exodus 32. On est dans Exode 32. And we can see in verse 15. Exode 32 verset 15. And Moses turned and went down from the mountain. Moïse regarda et descendit de la montagne. And the two tablets of the testimony were in his hand. Ayant dans sa main les deux tablettes de témoignage, il y a 10 minutes. The tablets were written on both sides. Les tablettes étaient écrites des deux côtés. On the one side and on the other they were written. Écrites de l'un et de l'autre côté. Now the tablets were the work of Elohim. Les tablettes étaient l'ouvrage d'Elohim. And the writing was the writing of Elohim engraved on the tablets. Et l'écriture était l'écriture d'Elohim gravée sur les tablettes. And when Joshua heard the noise of the people, et Joshua entendant la voix du peuple, as they shouted, qui faisait un grand bruit, he said to Moses, il dit à Moïse, there is a noise of war in the camp. Il y a un cri de guerre dans le camp. But he said, il répondit, it is not the noise of the shout of victory. Ce n'est pas un bruit de cri de bravoure, ni un bruit de défaite. Nor the noise of the cry of defeat, but the sound of singing I hear. J'entends un bruit de gens qui chantent. So you can see here, donc vous pouvez voir ici, that Moses went to the mountain. Que Moïse est allé à la montagne. But he didn't went alone. Mais il n'est pas allé seul. He went with Joshua. Il est parti avec Joshua. And so Joshua were serving Moses. Donc Joshua était en train de Moshe était en train de Joshua was serving Moses. I'm talking about Josué. Okay. Joshua. Joshua was serving Moshe. Okay, and because Joshua was the one that will replace Moses. Josué était celui qui allait remplacer Moïse. As a leader for the people. Comme un leader. So Moses. Donc ainsi Moïse took the time. A pris le temps to form Joshua. A pris le temps de former Josué. Hallelujah. Hallelujah. He took the time. Donc il a pris le temps to train Joshua. Il a pris le temps de former et de traîner Josué. The difference is that in the old covenant, la différence est que dans l'ancienne alliance, they were serving the man of God. Ils servaient l'homme de Elohim, l'homme de Dieu. Joshua was not serving Elohim. Josué n'était pas en train de servir Elohim. He was serving the man of Elohim. Il était en train de servir l'homme de Elohim. In that case, dans ce cas, Moses. C'était, on parle de Moïse. Hein. And when Moses died, et quand Moïse est mort, let's take a look at the book of Joshua. Allons dans le livre de Josué. Verse 1.
Donc, Joshua. Josué, verset 1. Okay, so after the death of Moses, the servant of the Lord, après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun. Il advient que le Seigneur parla à Josué, le fils de Nun. Moses' assistant. Le verset 1. L'assistant de Moshe. Saying. Donc, il disait. Moses, my servant, is dead. Moïse, mon serviteur, est mort. Now, therefore, arise. Maintenant, donc, lève-toi. Go over this Jordan. Passe ce Jourdain. You and all these people. Vous, toi et tout ce peuple, c'est dans Josué 1, verset 2. Hein. To the land. Et toi et tout ce peuple pour entrer sur la terre. Which I'm giving to them, the children of Israel. Que je donne aux enfants d'Israël. So it's just until the death of Moses. C'est uniquement à la mort de Moïse. Then that the Lord spoke to Joshua. Que le Seigneur a parlé à Josué. You see? Vous voyez? He was serving Moses. Donc lui, Josué, il servait Moïse. And then, when Moses died, et ensuite, quand Moïse est mort, he became the servant of the Lord. Il est devenu le serviteur de l'Éternel. And the Lord spoke to Joshua. Et le Seigneur a parlé à Joshua, Josué. So this is an example. Donc ça, c'est un exemple. You can have another example. For example, you will see in the book of Samuel. On va voir dans le livre de Samuel. Samuel was trained by Eli. Samuel était formé par le sacrificateur Eli. Hallelujah. Hallelujah. He was trained. Donc il a été formé, Samuel. And after his training, et après sa formation, the Lord spoke to him. Le Seigneur lui a parlé. Hallelujah. Hallelujah. You can see also in the book of Kings. Vous pouvez voir aussi dans le livre des rois. Elijah. Donc et le prophète Eli. Elijah in English. Eli. And Elisha. Et Eli et Élisée. Elisha. Donc Élisée. Was serving Elijah. Élisée servait en fait le prophète Eli. But when Elijah was taken from the world. Mais quand le prophète Eli a été enlevé de ce monde. He was taken by a chariot of fire. Donc il a été enlevé par un chariot de feu. And his mantle. Et son manteau. Came down. Son manteau est tombé. And Elisha received the double portion. Et Élisée a reçu la double portion. Because the firstborn receives the double portion. Parce que l'aîné reçoit toujours la double portion de l'onction de la personne d'avant. Alléluia. Alléluia. You can see David and Solomon. Vous pouvez voir David et Salomon. David was a warrior. David était un guerrier. But Solomon was a king of peace. Mais Salomon lui est un roi de paix. But without David's wars. Mais sans les guerres de David. Without David's battles. Sans les batailles de David. He couldn't have peace and build the temple. Il ne pouvait pas avoir la paix et construire le temple. The Lord has a vision. Le Seigneur, il a une vision. He doesn't think about only this generation. Il ne pense pas simplement à cette génération. But he thinks ahead of time. Il pense des années, des longueurs d'années avant. He wants to build generation into generation into generation into generation. Il veut construire à travers des générations et des
générations et des you générations. You are the result. Vous êtes le résultat of the preaching of Yeshua 2000 years ago. Vous êtes le résultat de la prédication que Yeshua a eu. You are the result 2000 ans avant of the preaching of Paul. Vous êtes le résultat de la prédication of Paul, Peter, de of John, de Jean, of Jude, de Jude, of all those prophets that died in the, that died from a violent death. De tous ces prophètes qui sont morts d'une mort violente. You are the result of all this blood that was spilled. Vous êtes le résultat de tout ce sang qui a coulé. You see? Vous voyez? We must grow to become fathers. Nous devons grandir pour devenir des pères. Paul was saying, Paul disait ceci, that since the time you had to be masters. Non, it's the author of Hebrew, I think. The author of Hebrew. C'est l'auteur d'Hébreu qui dit ça. Il dit depuis tout ce temps, vous devriez déjà être des maîtres. And Paul is saying too. Et Paul dit également. Even though you have a lot of masters, you only have one father. Il dit même si vous avez 1000 maîtres, vous n'avez qu'un seul père. Because it's me that have given birth to you. Parce que c'est moi qui vous ai mis en naissance ou qui vous ai engendré. You see, Paul, vous voyez, Paul was a father in faith. Était un père spirituel. Dans la foi. And he was giving birth. Et il donnait naissance. To children in faith. À des gens dans la foi. He's talking about Timothy. Il parle de Timothée. Timothy was a children in the faith. Timothée était son a child fils, in the faith. Son fils dans la foi. He's speaking about Titus. Il parle également de Tite. And a lot of his colleagues. Et beaucoup d'autres collègues avec lesquels il a travaillé. But the difference in the new covenant. Mais la différence avec l'ancienne alliance. Timothy was not serving Paul. Timothée ne servait pas Paul. He was serving the Lord. Timothée servait le Seigneur. But he was at the feet of Paul. Mais il était aux pieds de Paul. To listen to him. Pour l'écouter. To be an imitator of Paul. Pour être un imitateur de Paul. Paul is saying. Paul dit ceci. I want you to imitate me. Il a dit, soyez mes imitateurs. Jesus, Yeshua, is the model. Yeshua, c'est le modèle parfait. The perfect model. C'est le modèle parfait. And we have to imitate his life. Donc, nous devons imiter sa vie. But we need also. Mais nous avons besoin également. Physical models. Des modèles physiques. That we can see by with our own eyes. Que nous pouvons voir de nos propres yeux. And it's becoming more and more difficult to have physical models. C'est de plus en plus difficile d'avoir des modèles physiques. The Lord, the word, donc la parole, is vast. La parole est tellement vaste. Wide. And is wide. We have to be like children. Nous devons être comme des enfants. To listen to the Lord. Comme des enfants qui écoutent le Seigneur. To listen to the Holy Spirit. Qui écoutent le Saint-Esprit. But to listen also to the elders. Mais pour écouter aussi les anciens. The elders. Les anciens. It's a function. It's not someone that is above you. C'est une fonction. C'est pas quelqu'un qui est au-dessus de toi. But it's someone that can give counsels. C'est quelqu'un qui peut te donner des conseils. Hein, because of experience. À cause de l'expérience. And because of the calling of the Lord. Et à cause de l'appel qu'il a du Seigneur. Paul. Ed. He's saying to the disciples that I went to a lot of struggles. I was one day and one night in the sea.
Il dit, j'ai passé des moments très difficiles. J'étais à un moment donné dans la mer. I was in nudity. J'étais dans la nudité. I was beaten 3 times, 39 times. Donc j'ai été tapé 39 fois moins 1, 40 fois moins 1. 3 times. Fois 3. I was stoned. J'ai été lapidé. You see? And he was saying that. Vous voyez, et il disait ça. And he says, and I have also the burden of the churches. Et il disait que j'ai aussi la charge, en fait, de l'église. Because he went to a lot of cities. Parce qu'il est allé à plusieurs endroits. And when he went to those cities, et quand il est allé à ces endroits, he left churches. Il a laissé des églises. He builds churches. Il a construit des églises. I'm not saying about buildings. I'm not talking about buildings. Je parle pas de l'église, des églises. But bâtiments. He left disciples. Je parle pas there. D'église bâtiment, mais de disciples qu'il a laissé là-bas. And he had a burden for them. Et il avait un fardeau pour eux. Hallelujah, because he was an apostle. He had the function of an apostle. Parce qu'il avait la fonction d'un apôtre. And an apostle is someone that is a missionary. Donc un apôtre c'est quelqu'un qui est un missionnaire. And that will leave. Et qui va vivre. Il va laisser. Qui va laisser. He will leave a work in progress. Il va laisser un travail en progrès. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You see, vous voyez, we have a lot to learn. Nous avons beaucoup à apprendre. We have a lot to be taught. On a beaucoup à être enseigné. We are all at school. Nous sommes tous à l'école d'Elohim. And we are receiving et nous recevons the teaching of the Lord. Les enseignements du Seigneur. In order not to grow straight and not crooked. Afin que nous grandissions droitement et non pas en déviant. Be careful of pseudo revelations. Faites attention à des pseudo révélations. Be careful. Faites attention. The I will say that the main way that the Lord speaks to us is through His Word. La façon principale avec laquelle le Seigneur nous parle, c'est à travers sa parole, la Bible. And then, yes, there is visions. Oui, après, il y a des visions. Yes, we can hear the Lord. Oui, nous pouvons. There are convictions. Oui, il y a des convictions. On peut écouter le Seigneur. But, mais, first the word. D'abord, on doit se plonger dans la parole. Because the devil. Parce que le diable. Can also give. Le diable peut aussi donner visions. Des visions. Remember that when he went to Jesus, he has also the word. Rappelez-vous quand il est venu devant le Seigneur, il a dit que lui aussi il avait aussi la parole. He is the specialist in taking one verse from the word and put it in another context. Le diable est le spécialiste pour prendre un de la parole et le mettre hors contexte. That's what's happening in a lot of our churches today. C'est ce qui arrive dans beaucoup de nos assemblées. A lot of pastors, they use one or two verses and they make a doctrine of it. Et beaucoup de pasteurs, ils utilisent un passage hors contexte et ils détruisent. And that's how our people is being manipulated. Et c'est comme ça que le peuple est manipulé. One John. Un Jean. One John 2, verse 12. Un Jean 2, verset 12. So. You see, vous voyez, we have little children. Donc on a le stade de petit enfant. First stage. Ça c'est le premier niveau quand tu reçois la parole, petit enfant. The book of 1 Corinthians 2. Même dans le livre de Corinthiens 2.
It is said that little children are like carnal Christians. Il dit que là, les petits enfants, dans 1 Corinthiens 2, il dit que les petits enfants sont comme des enfants charnels. Non, Christian. Des chrétiens charnels. Yeah. Okay. It's normal. C'est normal. They are babies. Ce sont des bébés encore. If you look at a baby, quand tu regardes un bébé, it doesn't know what's true, what's good or bad. Il ne sait pas encore déterminer ce qui est bon et mauvais. He doesn't know how to walk. Il ne sait pas encore bien marcher. He needs to grow with milk. Il doit grandir avec du lait. Okay. Alléluia. He needs milk. Il a besoin du lait. Children can be also children, if you take a look at Ephesians 4, si tu vas dans Ephésiens 4, verset 19, he said that children can be tossed and away with the winds, to and fro. Donc, les enfants peuvent être ballottés à tout vent de doctrine. With the doctrines. That's why, c'est pourquoi, Michael, you need, tu as besoin, the teachings, des enseignements. I like to speak, I like to speak about the word with things from the physical reality. J'aime parler avec les choses de la parole qui sont réelles. That's why Michael, Yannick, Ben, me, Ines, Antonio, Angela, all of us, Mesh, we need. C'est pourquoi tout un chacun de nous, nous avons besoin. We need. Nous avons besoin. To be built. Nous avons besoin d'être construit. Okay? Otherwise, we can't be take. Toss and throw with the winds, sinon, of the doctrines. Sinon, on va être emporté par les vents des doctrines à gauche et à droite. And sometimes with our own thinking. Et des fois, c'est notre entendement aussi qui peut nous. We can read a word and we say, oh, I think. No, it's not I think. On peut lire un passage et on dit, ah, je pense. Non. No, it's not I think. Ce n'est pas ce que tu penses. It's what the word says. C'est ce que qu'est-ce que dit la parole. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay. Okay, we can do a lot of mistakes. On peut faire beaucoup d'erreurs. Okay, it's normal for c'est a kid. Normal. C'est normal. A baby to do mistakes. Quand on a un enfant, quand on a un bébé, de faire des erreurs. That's why we need education. C'est pour ça que nous avons besoin de education. D'éducation. And it's the same thing with the principle of the kingdom. Donc c'est la même chose dans le royaume du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. If you don't know, si tu ne sais pas, if you are in doubt, si tu es en doute, because you have to know at what stage am I? Tu dois savoir donc à quelle étape je suis par rapport à ma conversion. There is no shame to be a children, or there is no shame to be a young man, and there is no shame to be a father. Il n'y a pas de honte à être un enfant. Because we are a family. Un petit enfant dans le Seigneur. But you have to know what is your limit. Mais tu dois savoir quelle est ta limite. Il faut savoir à quelle étape tu es. A baby that cannot walk. Un bébé spirituel qui ne peut pas marcher. Will not walk. Ne va pas marcher. A kid, un enfant, he can ask for a bird, for a moustache. Il peut, un enfant peut demander d'avoir une barbe. But he will not have his moustache. Mais il n'aura pas cette moustache. Until the time comes. Jusqu'à ce que le temps arrive pour qu'il ait une moustache. Even if he fasts. Même s'il jeûne. Et prie, even if he prays. Même s'il prie. Even if he speaks in tongues. Même s'il parle en langue. The moustache will come when he will be 12, 15 years old or 16 years old, I don't know. La moustache ne viendra que quand il sera plus âgé. Alléluia. Alléluia. You see?
There are things that will come naturally because it takes time. Donc il y a des choses qui viendront naturellement parce que ça prend du temps, tout simplement. Alléluia. Alléluia. And so I was speaking about the training. Donc je parlais de l'entraînement, la formation du Seigneur. And you see, we need. Vous voyez, on a besoin. Of people of experience. Nous avons besoin de gens qui ont de l'expérience dans le Seigneur. There are some people that the Lord has chosen. Il y a des gens que le Seigneur a choisi. To come into your life. Qui Dieu a permis qu'ils viennent dans votre vie. And they will give you that teaching. Et ils vont vous transmettre cet enseignement. That doesn't mean that I will stay in your life forever. Ça veut pas dire qu'ils vont rester dans votre vie pour toujours. Like the pastors do today. Comme les pasteurs font actuellement là. That they stay in your life and you stay a baby all the time. Et ils restent dans ta vie et puis toi tu restes un enfant à vie. No. Non, c'est pas ça. They will come into your life for a time. Donc ils viendront pendant un temps dans ta vie. They will teach you. Ils vont te emmener with the Holy Spirit. Emmener un enseignement avec l'Esprit. In order for you to grow. Avec l'Esprit du Seigneur pour que tu puisses grandir. To you to become a disciple. Pour que tu deviennes un disciple. And for you tomorrow to be also a father for someone else. Et pour que tu deviennes demain un père pour quelqu'un d'autre, une mère pour quelqu'un d'autre. Tomorrow, demain, it will not be brother Eric. Demain, ça sera pas le frère Eric. Or sister Kaiba. Bien la sœur Kaiba. It will be you that will give something. Ça sera à toi, et à d'autres personnes. The teaching that you receive, you will give them to another one. L'enseignement que tu auras reçu, tu vas le donner à d'autres personnes. And that's discipleship. Et ça, c'est le discipulat. C'est ça être disciple. The churches today is making a lot of fans, making a lot of members. L'église d'aujourd'hui a fait beaucoup de fans, beaucoup de membres. But few disciples. Mais il y a très peu de disciples. The Bible says that the disciples who is accomplished will be like his master. La Bible dit que le disciple qui sera accompli sera comme son maître. Timothy was an accomplished disciple. Timothée était un disciple accompli. Paul is writing about Timothy. Paul écrit sur la vie de Timothée. And he's saying, keep your teaching. Et il lui dit, garde l'enseignement. That nobody will despise. Will despise your youth. Que personne ne méprise ta jeunesse, il dit à Timothée. Paul knew the authority Timothy had. Paul savait et connaissait l'autorité que Timothée avait. Hallelujah. Alléluia. He had authority. Il avait l'autorité. And Jesus gave us authority. Et Yeshua nous donne l'autorité. Alléluia. Alléluia. Paul is speaking about this authority. To the Corinthians. Paul parle de cette autorité aux Corinthiens. And he's saying, I don't want to come to you with the authority that the Lord has given me, not to destroy, but to build. Il dit, je veux venir auprès de vous avec l'autorité, pas pour vous détruire, mais pour vous construire. You see? Vous voyez? So, donc, we have to have consideration. Nous devons avoir de la considération to those who are leading us. Pour ceux qui sont qui nous. I will not say leading, but it's diriger, directing, not direct way. But this consideration is not like in the churches where you have to give money. Donc, il faut de la considération pour les anciens. C'est pas comme on voit dans les autres églises. Ce n'est pas pour donner de l'argent, etc. But it's consideration because they give the word. C'est la considération par rapport à la parole qui est délivrée. What's happening today? Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? We are gathering in Skype. Donc, on se rassemble ici à Skype. You have something to share. Donc, tu as quelque chose ici à partager. You share it. Tu le partages librement. You share a song. Tu
partage une chance. You share a thought. Une pensée. You share a burden. Un fardeau que tu as. You want prayer. Tu veux une prière. A testimony. Tu veux un témoignage. Even if you have a teaching. Même si tu as un enseignement, tu peux Something le donner. Inspired by the Spirit. Quelque chose inspiré par l'Esprit, tu peux le donner aussi. So that's sharing. Ça, c'est le partage. A time of sharing. Ça, c'est un temps de partage. And then sometimes there are teachings. Des fois, il y a des enseignements. OK? OK? And then sometimes there are questions. Et des fois, il y a des questions. Because where there is the Spirit, there is liberty, there is freedom. Parce que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté, il y a la liberté. And that's how we grow. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. And if we make mistakes, et si nous faisons des erreurs, and then that's how, when do the elders, or do the elders will come in action? Quand est-ce que les anciens vont-ils rentrer en action? They know the word. Ils connaissent la parole. Well, normally. Normalement. And if something comes, et si quelque chose vient, and is not really exact about the word, et, someone shares something and it's not really exact about the word. Il y a quelque chose qui arrive et que c'est pas vraiment par bien, enfin c'est pas exact. Exact par rapport à la parole. The elders will say something at the end. Les anciens vont dire quelque chose à la fin. Pour... And they will correct. Et ils vont corriger. Not to humiliate the person that is saying something. Pas pour humilier la personne qui dit quelque chose. But to correct for to be true to the word. Mais pour corriger, pour être vraiment vrai par rapport à la parole. And it gives also the one who is sharing. It will give him more accuracy in his sharing. Et ça va donner plus de précision à la personne qui partage. So next time he will know. Donc la prochaine fois il saura que. Because that's how it works. C'est comme ça que ça marche en fait. We are not afraid to do mistakes. On n'a pas peur de faire des erreurs. But if there is a mistake, s'il y a une erreur, we gently correct it. On le corrige gentiment. With kindness. Avec l'amour. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So, on the three stages. Donc, par rapport aux trois étapes de croissance. So, the little children. Donc, les petits enfants. Like I said. Comme je vous ai dit. 1 Corinthians 2. 1 Corinthiens 2, allons-y. I love the word. J'aime la parole. Because the word is the truth. Parce que la parole, c'est la vérité. In a world where the truth is, is lost. Dans un monde où la parole est perdue, we need the truth. Nous avons besoin de la parole. Alléluia. Alléluia. Verse 1 Corinthiens 2, verset 14. But the natural man does not receive the things of the Spirit of the Lord. L'animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, d'Elohim. For they are foolishness to him. Car elles sont une folie pour lui. Nor can he know them. Il ne peut les connaître. Because they are spiritually discerned. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. But he who is spiritual, l'homme spirituel, judges all things. Juge en effet de toutes choses. Yet he himself is rightly judged by no one. Et n'est jugé lui-même par personne. For who has known the mind of the Lord, car qui a connu la pensée du Seigneur, that he may instruct him. Pour l'instruire. But we have the mind of Christ. Mais nous avons la pensée du Machiav. And I brethren, on continue. Et moi, frère, could not speak to you as to spiritual people. Je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels. But as to carnal. Mais comme à des charnels. As to babes in Christ. Comme à des enfants en Machia. I fed you with milk. Je vous ai donné du lait à boire. And not with solid food. Et non quelque chose à manger. For until now you were not able to receive it.
car vous n'en étiez pas encore capable. And even now you are still not able. Et même maintenant vous n'en êtes pas encore capable. For you are still carnal. Car vous êtes encore charnel. For where there are envy, strife and divisions among you. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions. Are you not carnally behaving like we're mere men? N'êtes-vous pas charnel et ne marchez pas vous selon l'homme? You see? Vous voyez? Babies. Les bébés spirituels, children in Christ, les enfants en Christ, en Mashiach, are still carnal. Sont encore charnels. They have to learn to be spiritual. Ils doivent apprendre pour devenir spirituels. They need milk. Ils ont besoin de lait spirituel. If you give a baby a steak, si tu donnes à un enfant un steak, he will not be able to chew it. Il ne pourra pas le mâcher. Okay. Alléluia. And we can see that there were envy, strife, and divisions. Donc vous voyez qu'il y avait l'envie, because la division, of carnal man, à cause de le côté charnel, that in the assembly. Dans l'assemblée. Alléluia. Alléluia. So we have to help our children. Donc in Christ. Nous devons aider les enfants en Mashiach. To grow. À grandir. Okay. Alléluia. We talked about the gifts. Donc nous avons parlé la dernière fois de dons. A children in Christ, un enfant, a baby in Christ, un bébé spirituel, can already have gifts. Peut déjà avoir les dons spirituels. The Corinthians, les Corinthiens, le livre de Corinthiens, they had all gifts. Les Corinthiens avaient tous les dons. But they were carnal. Mais ils étaient charnels. They didn't have fruits. Ils n'avaient pas des fruits. Okay? Alléluia. How can we see that someone has grown, he will bear fruits? Comment peut-on voir que quelqu'un a grandi, il faudra voir à ses fruits. Not at the gift that he has. Non pas au don qu'il a. He can speak in tongues. Il peut parler en langue. He can preach the word. Il peut prêcher la parole. He can have visions. Il peut avoir des visions aussi. He can do miracles. Il peut faire des miracles. And still be a baby. Mais être toujours un bébé spirituel. Because if he has envy. Parce que s'il a l'envie. Prideful. S'il est il est rempli de d'orgueil. And if he doesn't bear fruits. Et s'il n'a pas des fruits. That means that he's still a children, a child. Il est tout le temps il est encore un enfant. He has to grow. Il doit grandir. And that's what was confusing for us when we used to go to the traditional churches. Et c'est ce qui nous mettait dans la confusion quand on était dans les églises. We were following pastors or bishops and prophets because they were performing gifts. On suivait les pasteurs, les prophètes parce qu'ils faisaient des miracles. They were speaking in tongues. Ils parlaient en langue. They were accomplishing miracles. Ils accomplissaient des miracles. And we were saying, okay, he's the man of God. Donc on se disait, ah oui, celui-là c'est un homme de Dieu. That's the man of God. Celui-là c'est l'homme de Dieu. But he didn't have fruits. Il n'avait pas de fruits. And that's how. Et c'est comme cela. We are being led astray. C'est comme ça qu'on est emporté loin du Seigneur. Because we like to see with our own eyes, but we need to see by faith. Parce que nous voulons voir avec nos propres yeux, mais nous devons voir par la foi. The Lord looks at the heart. The Lord looks at the heart. Le Seigneur regarde au cœur. And not at the sight. Et non pas à la vue. We need to look with our hearts. Nous devons regarder avec nos cœurs. With the word. Avec la parole. We need to discern. Nous avons besoin de discerner. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Young men. Enfants. Jeunes gens. Because you have overcome the wicked one. Jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. So, young men, donc les jeunes gens, they can discern peuvent discerner the good and the bad.
Donc les jeunes gens, c'est la deuxième étape, ils peuvent good and evil. Ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alléluia. Alléluia. They overcome the wicked one. Ils ont vaincu le mauvais. You have to overcome. Vous devez vaincre. You will pass through trials. Tu vas passer des épreuves. You will go through trials. Tu vas aller à travers des épreuves. The temptation will come. La tentation va venir. If today, si aujourd'hui, you cannot resist a woman, tu ne peux pas résister à une femme. Tomorrow, when you will be used by the Lord, and the devil will send pretty women to seduce you. Et quand tu seras choisi par le Seigneur, utilisé par lui, le Seigneur va envoyer des femmes pour te séduire. Comment vas-tu agir? Le Seigneur, le diable. Le diable, pardon. The devil. Le diable, pardon. If you cannot resist. Si tu peux pas résister. Today. Aujourd'hui. At the small trials that the Lord is giving you. Aux petites épreuves que le Seigneur te donne. What will happen? Qu'est-ce qui va se passer? Tomorrow. Demain. You know, vous savez, in the Congo, there was a saying. Au Congo, il y avait un dicton. Well, that you know, Mobutu, que, the former president of Congo. Que l'ancien président du Congo. It was well known that he was going after witchcrafts, sorcerers. On savait tous qu'il allait voir les sorciers, les. And he made a pact. Il a dit qu'il avait fait un pacte. That the servants of Elohim, que les serviteurs d'Elohim, will not stand 10 years. Que ils ne tiendront pas 10 ans au Congo. That they will not stand up for 10 years. Donc ils ne vont pas se lever ou dépasser 10 ans. They will not be in a standing position. They will not be in the standing position for more than 10 years. Ouais, donc ils vont pas persévérer au-delà de 10 ans quoi. And if you take a look, et si vous regardez at the pastors in the Congo, in the DRC, si vous voyez au DRC au Congo les pasteurs, a lot of pastors that has started well. Beaucoup de pasteurs qui ont bien commencé. After 10 years, après 10 ans, they fall. Ils tombent. They didn't last 10 years. Ils n'ont même pas dépassé les 10 ans en question. With the message. Avec le message. They started to corrupt the message. Ils ont commencé à corrompre le message. Because of money. Because of women. À cause des femmes. Because of pride. À cause de l'orgueil. Because of glory of man. À cause de la gloire des hommes. Because they didn't prepare themselves. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. For a long lasting minister. Pour un long ministère. Elia. You see? Vous voyez? 10 years, it's an important number in the Bible. Un 10 years, 10, or the number 10, le chiffre 10, is the number of trial. Le chiffre de l'épreuve. L'épreuve. If you take a look at the book of Daniel, si vous prenez le livre de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego,
They didn't want to eat the same food as the king. So they didn't want to eat that food because they were Jews, and in eating that food, they will disobey Elohim. Donc ils ne voulaient pas manger les mets du roi parce que sinon ils allaient désobéir à Elohim. They didn't want to be filthy to him. Ils ne voulaient pas se rendre impurs, se souiller. And they were tested for 10 days. Ils ont été éprouvés pendant 10 jours. You will see 10 is a number of testing. 40 is a number of testing. Que 10 et 40, c'est un chiffre de l'épreuve dans la Daniel vie. Was put to the test for 10 days. Daniel a été prouvé pendant 10 jours. Jesus was put to the test for 40 days. Le Seigneur a été éprouvé pendant 40 jours et 40 nuits. Moses was put to the test for 40 years before going back to Egypt. Moïse a été éprouvé 40 années avant d'aller en Égypte. And even the Lord was put to the test. Même le Seigneur a été éprouvé. And you don't want to be put to the test? Et toi, tu veux pas être éprouvé? You need to be put to the test. Chacun de nous, nous avons besoin d'être All of us, éprouvés. We are going to be put to the test. On va être tous éprouvés par le Seigneur. In order to pass from a year one to year two, you need to pass the test. Pour passer de l'année première, de la maternelle à l'autre classe, tu dois passer des épreuves. And it's the same thing for us. Et c'est la même chose pour nous dans le royaume. The Lord is passing us to the test. Donc le Seigneur est en train de nous éprouver. And the more difficult tests are not the tests that are visible. Et les tests les plus difficiles, c'est pas ceux qui sont visibles. That they are not visible to others. Ils sont pas visibles pour les autres. Ils sont pas visibles pour les autres. It's inside of you. C'est à l'intérieur de ton être. It's in your soul. C'est dans ton âme. In your heart. Dans ton cœur. That the Lord que le Seigneur will test you. Va te tester, va t'éprouver. If you don't feel joy, si tu ne ressens pas la joie, because of your trial, à cause de tes épreuves, then you don't pass the test. Donc, tu passes pas le test. Because Parce que we can have joy even in the test. Nous pouvons avoir la joie même dans les tests, les épreuves. We can have joy during the trial. Nous pouvons avoir la joie même dans les épreuves. Because our joy doesn't depend of circumstances. Parce que notre joie ne dépend pas des circonstances. Our joy depends on the Lord. Notre joie dépend du Seigneur. Our peace depends on the Lord. Notre paix dépend du Seigneur. And not on the circumstances. Et non les circonstances. Paul and Silas were in prison. Paul et Silas étaient en prison. They just received 39 strikes. Ils ont reçu 39 coups. And in prison. En they started to pray and they started to sing. Et ils ont commencé à prier, à chanter. And when they were singing, et quand ils chantaient, the glory of the Lord came. La gloire du Seigneur venait. Shake all the prison. Et a fait trembler toute la prison. And all the prison was liberated. La prison était libre. And even the guard. Même le garde. He wanted to kill himself. Se tuer lui-même. And the Paul said, "Don't do that." Et Paul lui a dit, ne te suicide pas. Because we are all in here. Parce que nous sommes tous ici. And the guard said, "What can I do to be saved?" Et le garde a dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Believe in Yeshua Mashiach, and you will be saved. Au Seigneur Yeshua, et tu
sera sauvé. And the guard received the Lord in the same day. Et le gardien a reçu le même jour le Seigneur Yeshua. Hallelujah. 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 À travers l'adversité. Through the trials. À travers les épreuves. The glory of the Lord. La gloire du Seigneur. The glory of the Lord will be manifested. La gloire du Seigneur va être manifestée. Without trials. Sans épreuves. The glory of the Lord will not be manifested. La gloire du Seigneur ne sera pas manifestée. All you asked for the Lord. Tout ce que tu dois demander au Seigneur. You have asked Him His glory. Tu as demandé au Seigneur sa gloire. But do you have to know that His glory? Tu dois savoir que sa gloire will be manifested in adversity. Sera manifestée à travers l'adversité. His glory. Sa gloire will be manifested in your battles. Sera manifestée dans tes batailles. His glory. Sa gloire will be manifested in your fights. Sera manifestée dans tes combats. His glory. Sa gloire will be manifested in your life. Hallelujah. Amen. Look at the Lord. Regarde au Seigneur. Look at the Lord. Regarde au Seigneur. And see the salvation. Et regarde au salut. See the glory of the Lord. Vois la gloire du Seigneur. The glory of the Lord. La gloire du Seigneur. Will be manifested in your life. Sera manifestée dans ta vie. And it will shut the mouth of your enemies. Et ça va boucler la bouche de tes ennemis. Amen. Hallelujah. Amen. The young man has overcome the evil. Les jeunes enfants ont vaincu le mauvais. Because they went to trials and difficulties. Parce qu'ils sont allés à travers des épreuves et des difficultés. They went in missions. Ils ont été dans des missions. They preached the word. Ils ont prêché la parole. They prayed. Ils ont prié. They fasted. Ils ont jeûné. They went to preach the family. Ils ont prêché des familles. They received insults. Ils ont reçu des insultes. They were rejected. Ils ont été rejetés. They were persecuted. Ils ont été persécutés. But they have kept the faith. Mais ils ont gardé la foi. Hallelujah. Hallelujah. Keep the faith. Gardez la foi. They have overcome the evil one. Ils ont vaincu le mauvais. The fathers. Les pères. 1 John. 1 Jean. No matter what is your difficulty. Quelle que soit ta difficulté. The Lord is able. Le Seigneur est capable. With the Lord everything is possible. Avec le Seigneur tout est possible. Believe him. Crois en lui. Not me. Pas en moi. Not man. Pas aux hommes. But Yoshua Mashiach. En Yoshua Mashiach. He is able. Il est capable ce soir. Oh, alléluia. Alléluia. Guérisse quelqu'un. I write you fathers. 1 John 2, 13. 1 Jean 2, 13. I write to you fathers. Père, je... Because you have known him who is from the beginning. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Hallelujah. Hallelujah. You know here, vous the fathers, ici, les pères, give birth. Les pères vont donner naissance to ministries. À des ministères. You to visions. À des visions. To children in the faith. À des enfants dans la. The fathers. Les pères. John was a father. Jean était un père. An elder. Un ancien. By the time he was writing this book. Quand il écrivait ce livre. He was 90. Il avait 90 ans. 90 years old. 90 ans. Hallelujah. Hallelujah. And you know, here a lot of times we think that. Et là, dans ce passage, nous croyons à chaque fois. Hein, that who is from the beginning is the Lord.
On pense que quand on dit celui qui est dès le commencement, on pense qu'on parle du Seigneur là. But it's not the Lord. Mais là, on ne parle pas du Seigneur, celui qui est dès le commencement. Is the devil. On parle du diable. The fathers, les pères, knows, connaissent all the les Russes, comment on dit? The wives. Hmm? Wives. The wives of the devil. Donc, ils connaissent les du diable. Bien, bien. The devil. Donc, le diable. He has time. Il a le. Because he exists since the beginning. Parce qu'il a existé dès le commencement. We know that the Lord has no beginning. Donc nous savons que le Seigneur n'a ni de commencement, no ending, ni de fin. He is eternal. Il est éternel. Okay. Vous comprenez? But the devil, well, the angel was called who came, the devil was created at the beginning. Tu peux dire? L'ange qui est devenu le diable a été créé au commencement. L'ange, ouais, d'accord. And the fathers knows the tricks of the devil. Et les pères connaissent les ruses du diable. Alléluia. Alléluia. And in the same book, dans le même livre, we speak about the Antichrist. On parle de l'Antéchrist aussi. Ah, okay. And you can read in your version, please. Jean 4, verset 2. À ceci, vous connaissez l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui confesse que Yeshua Mashiach est venu en chair est d'Élohim. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yeshua Mashiach est venu en chair n'est pas d'Élohim. C'est celui de l'anti-Mashiach dont vous avez entendu dire qu'il vient et maintenant il est déjà dans le monde. Petits enfants, vous êtes d'Élohim et vous avez remporté la victoire sur eux. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent comme étant du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes d'Élohim, celui qui connaît Élohim nous écoute. Mais celui qui n'est pas d'Élohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. Bon. And you know, the fathers, vous savez, les pères, they will not be jealous. Les pères ne seront jamais jaloux of the children. Oh, des enfants. They want the children to have the double portion. Ils veulent que les enfants aient la double portion. Like Elijah to Elisha. Comme vous avez vu entre Élie et Élisée. Like David to Solomon. Comme entre David et Salomon. They want the children. They want the children to be able to do more. Ils veulent que les enfants fassent encore plus. Even when Jesus died and then he went up. Et même quand Yeshua est mort et qu'il est il a été ressuscité. It is said that the one that will believe will do more miracles. Il a dit que celui qui croira fera plus de miracles que lui. You see? Vous voyez? So
we have to grow. Donc nous devons grandir. And we have to know that even Jesus, when he was with the disciples, même Yeshua, quand il était avec les disciples, we can see that Jesus were teaching them. Vous voyez que Yeshua était en train de leur donner des enseignements. They lived with him. Ils vivaient avec lui. They saw him doing miracles. Ils le voyaient faire des miracles. They saw him using authority. Ils le voyaient utiliser son autorité. And they used that authority to cast away demons. Et ils ont utilisé cette autorité-là pour chasser les démons. He spent a lot of time teaching them. Il a passé du temps dans l'enseignement avec eux. Every situation of a day will be a teaching. Toute situation est une occasion pour enseigner. Alléluia. Alléluia. The Lord teaches us. Donc le Seigneur nous apprend. And he was teaching the disciples with natural things. Et il enseignait les disciples avec des choses de la nature. Hein. And he was teaching them spiritual things through natural things. Et il leur apprenait des choses spirituelles à travers des choses naturelles. And the Lord does the same thing with the Holy Spirit. Et le Seigneur fait la même chose avec le Saint-Esprit. Every day is a teaching. Chaque jour, c'est un enseignement. Every day we learn something about ourselves. À chaque fois, nous apprenons quelque chose de nous-mêmes. About sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. About the Lord. Concernant le Seigneur. We don't know what is in our hearts. Nous ne connaissons pas ce qui est dans nos cœurs. We need to go to those trials to see what is in our hearts. On doit passer ces épreuves pour comprendre ce qui est au fond de nos cœurs. Because when you will be in a trial, parce que quand tu seras dans une épreuve, the things that are inside your heart, les choses qui sont dans ton cœur, that are hidden, qui sont cachées, they will come up. Elles vont ressortir. You will see that you have no patience at all. Tu verras que tu n'as pas du tout de patience. You will see that you have a temper. Tu vas voir que tu as un sacré caractère. That you are easily anger. Et tu vas voir que tu es facilement en colère. Tu te mets facilement en colère. You will see that you are lacking fruits of the spirit. Tu vas voir que tu manques des fruits de l'esprit. You will see that you're lacking love. Et tu verras que tu manques d'amour. You will see that, and then you will say, "Oh Lord." Et là, tu vas dire, "Oh Seigneur." I cannot do it by myself. Non, je me rends compte que je peux pas le faire de moi-même. And that's what the Lord likes. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut nous amener à ce stade-là. When you come in humility. Quand tu viens avec l'humilité. And you say, "Oh Lord, sorry, I'm so sorry." Et tu dis, "Ah Seigneur, je suis tellement." Forgive me. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. I need more patience. J'ai vraiment besoin d'un peu plus de patience. I need more love. J'ai besoin d'un peu plus d'amour. I need more confidence. J'ai besoin in the word. Un peu plus de confiance. I need more faith. J'ai besoin de plus d'assurance, de foi. And if we humiliate ourselves, et si nous nous humilions devant lui, then ensuite, he will give us what we need. Et là, il va nous donner ce dont nous avons besoin. But if you don't pass the test, mais si tu ne veux pas passer ce test là, you go round and round and round again. Tu vas tourner en rond, en rond, en rond. And you will not know why am I going round and round again. Et tu vas pas comprendre pourquoi tu tournes en rond à chaque fois. The Lord wants you there. Le Seigneur veut que tu sois là. To listen to him. Afin que tu l'écoutes. And to learn the lesson that he wants to give you. Et pour que tu apprennes la leçon qu'il veut te donner. And then you will pass the test. Et ensuite tu passeras le test. And then you will go to another test. Et après tu vas aller à un autre test. That's how it goes. C'est comme ça que ça se passe. Because he wants to prepare us. Parce qu'il veut nous préparer. To be his bride. Pour être son épouse. A bride without wrinkles.
on sera une épouse qui n'a pas de rides. Alléluia. Une épouse qui n'a pas de taches. Alléluia. Alléluia. We have to pass the test. On doit passer ce test-là, ces épreuves-là. But we need one another. Mais on a besoin chacun des uns des autres. Amen. We need prayer. On a besoin de prière. Paul was asking for prayer. Paul demandait des prières. The big apostle. Le grand apôtre. Big apostle. Le grand apôtre. Was asking for prayer. Il demandait des prières. Pray for me. Priez pour moi. That I have boldness when I preach the gospel. Priez que j'ai de l'assurance quand je vais prêcher la parole. You see? Vous voyez? We are a body. Nous sommes un corps. And we need one another. Et on a besoin l'un de l'autre. To pray. Que nous prions ensemble l'un pour l'autre. To share. Que pendant les partages. To lift the burdens one another. Afin que nous portions les fardeaux les uns des autres. Yes. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Is there questions? Est-ce qu'il y a des questions? Justement, j'avais une question. Que Dieu soit glorifié par rapport à ce qui nous vient. I have a question. May the Lord be glorified. C'était justement par rapport à la vraie repentance, parce que j'étais en train de me poser des questions. Ça m'a pas mal. I was asking myself many questions concerning the true repentance. Et justement, je me disais si j'étais vraiment avec le Seigneur, pourquoi dans ces cas-là, à chaque fois, on n'arrive pas à passer ces épreuves-là. On est toujours là. Enfin, je suis toujours. J'ai l'impression que voilà, que je tourne en rond. J'ai l'impression de pas avancer. So I was wondering why I was making a round, and it was like my life is not going forth, and I was wondering myself. Mm-hmm. J'ai toujours cette impression-là que je suis toujours au point de bébé que je ne grandis pas. I always think that I'm a baby, a spiritual baby. That I'm not growing. On en fait ma vraie repentance. Est-ce que j'étais vraiment sincère avec toi ou il y a des choses qui vont pas? Bah voilà, c'est justement par rapport à ça. So I'm asking myself. Je tourne en rond. If I'm really sincere to God and if I made the true repentance because I'm going round and round and round. Okay. So the first thing is you have to know that what is the meaning of repentance? D'abord, premièrement, tu dois savoir c'est quoi la repentance. Repentance comes from the word metanoia. La repentance vient du mot metanoia. In Greek. En grec. And metanoia. Et metanoia. It means. Ça veut dire. A change of attitude. C'est un changement d'attitude. A change of mentality. Un changement de mentalité. When Peter preaches the gospel for the first time. Quand Pierre a prêché l'évangile pour la première fois. The Jews were touched. Les Juifs étaient tellement touchés. So the repentance come first in your heart. Donc la repentance va toucher premièrement ton cœur. It touches your heart. Ça touche ton cœur. You feel you are a sinner. Tu sens vraiment que tu es une pécheresse, un pécheur. Because the Spirit convinces us of sin, parce que le péché, le Saint-Esprit va te convaincre de péché, of justice, de justice and judgment. Et de jugement. Without the Holy Spirit, there is no repentance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de repentance. So the Holy Spirit does something in your heart, it touches your heart. Donc you feel that you are miserable. Le Saint-Esprit fait quelque chose dans ton cœur, tu te sens misérable. And you feel the presence of the Lord. Et tu sens la présence du Saint-Seigneur. And then comes the repentance. Et là vient la repentance. And you change direction in your life. Et tu changes totalement la direction de ta vie. You were going
In the large way, the large door of perdition. Tu allais dans la large porte de la perdition. And then, at the moment you repent, et au moment où tu t'es repenti, you have to convert. You have a conversion that you have to do. Il y a une conversion là que tu dois faire. And then you do a 180 degrees and you go this. You were going this way. You go this way now. Et là, tu fais un tour de 180 degrés et tu tournes complètement de direction. And you choose to follow the Lord. Et tu décides de suivre le Seigneur. That's something that happens when you give your life to the Lord. Ça, c'est ce qui se passe quand tu donnes ta vie au Seigneur. But also in the life of a Christian. Et également dans la vie d'un chrétien. We stay in repentance. Il faut demeurer dans la repentance, garder sa repentance, sa délivrance. Amen. We keep the deliverance. Tu dois garder ta délivrance. And then we walk with Yahushua. Et ensuite nous marchons avec le Seigneur. And if we sin, et si nous péchons, we repent immediately. Nous nous repentons immédiatement. The children of the Lord, les enfants du Seigneur. In 1 John, it is said that who is from Elohim, who is children from Elohim, cannot sin because he has God with him. Dans 1 Jean, on dit que les enfants de Elohim ne peuvent pas pratiquer le péché parce qu'ils ont le Seigneur, le Saint-Esprit en eux. And if they sin, et s'ils pêchent, they repent immediately. Ils se repentent immédiatement, ils confessent leur péché. So that's the repentance. Ça, c'est la repentance. Okay? So now, about the fact that you are feeling that your life is going round and round. Et donc là, comme tu vois, tu penses que ta vie va tourner en rond. So, there are two cases. Il y a deux cas. First case scenario. Premier cas. You are in the will of the Lord. Premièrement, tu es dans la volonté du Seigneur. He wants you there. Il veut que tu sois là. Because he's shaping your heart. Parce qu'il est en train de modeler ton cœur, façonner ton cœur. Maybe he gave you a mission. Peut-être qu'il t'a donné une mission. Or a vision. Ou bien une vision. You will do that, you will do this, you will do that. Tu vas faire ça, ça, ça. But, mais, you are not ready. Tu n'es pas prête. And he puts you in a loop. Et il te met dans une... In a loop? Dans une boucle. Dans une boucle. To work your heart. Pour travailler ton cœur. And he can lock all doors. Et il peut fermer toutes les portes. And you feel that you are not being listened by him. Et tu as l'impression que il ne t'écoute pas en fait. But he's putting you in a test. Mais il est en train de t'éprouver. Because he's working your heart. Parce qu'il travaille ton cœur. Because there is something new that he will give you, but you are not ready to go forward if you don't pass that test. Et il veut te donner quelque chose de nouveau, mais tu ne pourras pas l'avoir si tu ne passes pas ce test-là. And that's how he used that circumstances for you to grow. Donc c'est ces circonstances-là qu'il utilise afin que tu grandisses. Second test scenario. Le deuxième cas de possibilité. Sometimes you can be in a loop. Des fois tu peux être dans une boucle. Because you have disobeyed the Lord. Parce que tu as désobéi au Seigneur. And you are not in his perfect will. Et tu n'es pas dans sa volonté parfaite. And then, instead of going forward, et au lieu d'avancer, because of that disobedience, à cause de cette désobéissance, you are in a loop. Tu es dans une boucle, tu tournes en rond. Then you have to come to the Lord and ask for forgiveness. Et là, tu dois revenir pleinement au Seigneur et demander pardon. And do what he wants you to do. Et faire ce qu'il te demande de faire. Or sometimes you can be in a sin that you haven't confessed. Des fois, tu es dans un péché que tu n'as pas confessé. And then you have opened doors. Et tu as ouvert les portes. And instead of being in the will of the Lord,
you are in guilt, you are not in the true presence of the Lord. That's why it can happen, you are in a loop too. Au lieu d'être dans la volonté, dans la volonté du Seigneur, tu es dans la culpabilité, et c'est pour ça que tu tournes en rond, en fait. So that's I hope that is answering your question. J'espère your que question. J'ai répondu à ta question. Amen. Alléluia. Yeah. No, after the wilderness, tu sais, après le désert, there are oasis. Il y a toujours des oasis. The wilderness, le désert, is not for eternity, it's for a time. Le désert, c'est pas pour l'éternité, c'est juste pour un temps, en fait. Alléluia. Alléluia. He's working your heart. Il travaille ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. We thank you, Lord, for Inès' life. We thank you for what you do for her and for her to be in your presence, for her to be in obedience with your word. We thank you for everything that you do. Thank you for all that you know in your trust. You know the time when she entered the wilderness, and you know the time when she will come out of this wilderness. Oh Lord, shape her heart. Give her what she needs in Yahshua's name. And I know that what you are doing with her in the shadows, dans l'ombre, what you are doing, my Lord, is to prepare her for something to come, pour quelque chose à venir, something wonderful, quelque chose de merveilleux, Seigneur, in Yahshua's name. Dans le nom de Yahshua, be reassured, my sister, that the Lord is in control of your situation. Sois assurée, ma sœur, que le Seigneur est en contrôle de ta situation. And that message was for you too. Et que ce message était pour toi également. And that you will pass the test. Be faithful with him. Be faithful in his word. Sois fidèle. Abide in him. Demeure dans la parole. In Yahshua's name. Dans le nom de Yahshua. Your family will be touched. Ta famille va être touchée. Alléluia. Alléluia. Stay in silence and I will conquer for you. I will fight for you. Reste dans le silence et je battrai pour toi. I don't know why I'm saying that, but he's saying stay in silence and stay in my presence and I will conquer for you. I will fight for you. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais reste dans le silence et puis je combattrai pour toi. Alléluia. Amen. Thank you, Lord. I want to pray also for the people who are sick among us. So let us pray for all the people who are sick among us in Yahshua's name, that they will be healed in Yahshua's name. Prions pour Yannick, Emily et puis Gorav aussi. Yeah, pour Maesh, and also if we can pray for our sister Angela. Angela, on peut prier pour Angela aussi. The devil wanted to Angela, le diable voulait to take away your joy. Voulait t'enlever ta joie. Le diable voulait t'enlever ta joie, Angela. But the Lord is giving you the joy that you need today. Mais le Seigneur te donne aujourd'hui la joie dont tu as besoin. And the peace that you need today. Et la paix dont tu as besoin. The devil cannot take. Le Seigneur, le diable ne peut pas enlever the joy, the peace, the love that he has put in your heart. La joie et la paix qu'il a mis dans ton cœur. Hallelujah. Hallelujah. He's gonna give you strength. Il va te donner la force. Be faithful with him. Sois fidèle à lui. And have faith in him. Et foi en lui. Antonio, he's giving you strength too. Il te donne la force également. Oh, he loves you so much. Il t'aime tellement, Antonio. He loves both of you so much. Il vous aime tellement, Antonio et Angela. And you are in your in his hands. Vous êtes entre ses mains. No
can do anything to you. Personne ne peut vous faire du mal. Because you are in his hands. Parce que vous êtes entre ses mains. Hallelujah. We pray for Angela. We pray for Antonio. We pray for Emily. We pray for Yannick. We pray for Mahesh. We pray for all people or family that are sick. Hallelujah. And we pray that give healing, and you heal them in Yeshua's name. In Yeshua's name, there is no name above your name. There is no name above your name. You are, you have the name above all names, and we pray for our brothers and sisters, and you lay your hands upon them, and you heal them in Yeshua's name. Hallelujah.